Bismillahirrahmanirrahim. Donc, euh, je vais continuer. Ça, ça va être le deuxième cours concernant la classification des, des ptéridophytes. Alors, donc, nous avons déjà vu l'introduction. Donc, nous allons passer directement à la classification. Alors, concernant la classification, ça va être la classification, comme on a dit euh, concernant le premier cours, ça va être la classification phylogénétique. Donc cette classification, euh, on s'intéresse essentiellement aux pteridophytes. Donc ça porte, ce, donc, ce, on, je rappelle qu'il s'agit de trachyophytes à spores. Trachyophytes, ça veut dire des plantes qui ont des trachées ou des vaisseaux à spores, ça veut dire qu'ils se reproduisent par les spores. Alors ces pteridophytes sont essentiellement constitués de trois clades. Le clade des lycophytes, le clade des sphénophytes et le clade des filicophytes. Alors, nous allons voir maintenant les, les, les lycophytes, le premier clade. Donc, les lycophytes sont constitués de trois familles. Lycopodiaceae, Celaginellaceae et Isoétaceae. Environ 6 genres et 800 espèces. Alors, ces lycopodiaceae sont représentés par des lycopodes. Les Celaginellaceae sont représentés par des Celaginelles. Les isoétacées sont représentés par isoètes. Alors, ce sont les noms communs. Lycopodes, c'est la Isoètes, ce sont les noms communs. Ce n'est pas, pas des genres, c'est des noms communs. Alors, concernant les, euh, les caractères généraux, ce sont des plantes terrestres ou aquatiques. Alors, les plantes terrestres sont les lycopodiacées et les célaginelles Les plantes aquatiques, c'est essentiellement la famille des isoétacées la tige est ramifiée dichotomiquement. chez les deux premières familles, lycopodiaceae et selaginellaceae, isouetes, la tige est souterraine, on ne la voit pas. alors les feuilles, chez ce, ce clade, sont essentiellement des micro fils alors, donc, vous essayez de vous rappeler la définition. ce sont des petites feuilles ayant une, cest dire une seule nervure. la structure anatomique est très simple, une seule nervure. Alors, il y a, concernant les spores, il y a isosporie, c'est-à-dire les spores sont identiques chez Lycopodium, et hétérosporie chez Selaginella et Isoetes. Donc, qui dit isosporie dit en général isoprotalie, qui dit hétérosporie dit hétéroprotalie. Alors, on va commencer par la les lycophytes, famille des Lycopodiaceae. On va voir d'abord le genre Lycopodium qui re représente la famille. Alors, ce genre, euh, et donc vous avez schématiquement c'est ça. Alors, si on commence depuis la base, vous avez des racines adventives qui le permettent de, qui lui permettent de se fixer au sol, et vous avez des racines, des tiges pardon, des tiges qui sont rampantes, horizontales, et vous avez des tiges qui sont dressées, dire verticales. Deux types de tiges. Donc vous avez tiges rampantes et tiges dressées. Alors sur les tiges dressées on voit très bien qu'il y a une ramification dichotomique. On voit le même ici. Donc ramification dichotomique. Alors ces tiges sont couvertes, que ce soit les tiges rampantes ou les tiges dressées, sont couvertes de feuilles de type microphile, de petites feuilles ayant une seule nervure. Alors voilà donc concernant l'appareil végétatif. D'accord Racines, tiges, feuilles. Deux types de tiges existent chez cette plante-là, chez le genre lycopodium. Alors concernant... L'appareil reproducteur. L'appareil reproducteur de de, de, du genre lycopodium représenté par, euh, se retrouve au niveau des extrémités et nous avons ici deux, deux éléments. Alors parfois il n'y a qu'un seul, mais en général il y a deux. C'est un épisporifère. Donc si on vous pose la question c'est quoi l'appareil reproducteur des lycopodiums, ça s'appelle un épisporifère. D'accord Un épisporifère. Alors c'est quoi un épisporifère Voilà, on le voit ici euh, au niveau de la de la photo, vous avez ici donc les tiges tiges dressées, sont couvertes de petites feuilles qui sont des microphylles. Donc on ne pourra même pas les compter. Donc surtout sur les tiges euh, donc dressées. Alors porifère ici, j'en autre Donc l'espèce ici c'est Lycopodium clavatum. Donc retenez l'espèce s'il vous plaît. Alors, c'est une plante qui est utilisée en homéopathie, ça veut dire qu'elle est utilisée pour traiter certaines maladies, donc mais en, en médecine douce. Alors, on va revenir maintenant à l'appareil reproducteur producteur épisporifère. Alors, c'est quoi l'épisporifère Donc, cet épisporifère, on va le voir essentiellement au niveau du cycle de développement. Donc, le, le cycle de développement, ce n'est pas la peine de retenir, ça, c'est juste pour expliquer ce qui se passe. Donc, le programme aujourd'hui, c'est. Non, le programme cette année, c'est surtout les la classification, la systématique. Donc, le cycle de développement, c'est juste pour vous expliquer les étapes de, reprodu de, de reproduction de vie, le cycle de vie de cette plante. Alors, si on, vous avez ici le même, le même schéma que tout à l'heure, vous avez donc les racines, les tiges horizontales, les tiges verticales, tiges ramifiées, les feuilles, les microphiles. Alors, l'épice porifère, si on veut savoir qu'est-ce qu'il qu y a à l'intérieur de cet épice porifère, vous avez ici le numéro 9, ça. Le numéro 9, c'est quoi C'est une feuille, voilà, qui porte un sporange sur la face supérieure. Un sporange sur la face supérieure. Vous voyez Donc, vous avez ici, au niveau de l'épisporifère, plusieurs feuilles dont chacune porte un, nez, un sporange sur la face supérieure. Comme si vous prenez votre main et vous mettez, par exemple, une orange sur la main. Et vous mettez la main comme ça dessus. Donc c'est la même chose. Vous avez donc un sporange sur la face supérieure. Retenez bien ça. Sur la, page, sur la face supérieure. Alors si on continue le cycle, donc à partir de ce sporange vont tomber des spores. Alors il y a une cicatrice irradiée sur le spore. La spore germe et dans le, un, un protal ou un gamétophyte, hermaphrodite. Un seul gamétophyte. Donc isosporie, isoprotale. Et le cycle recommence. Recommence. Donne donc un jeune sporophyte qui va se développer sur le gamétophyte et le sporophyte adulte, c'est celui qu'on étudie. Donc, ça, ça revient à la question que j'ai posée lors du premier cours. La, la plante pteridophyte qu'on étudie, c'est quoi C'est le sporophyte, c'est ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas répondu, c'est ça. La majorité ont déjà répondu. Alors, c'est ça le sporophyte, c'est la plante qu'on étudie. Le gamétophyte, on ne l'observe pas. Ici, il est souterrain, on ne le voit pas. D'accord Alors, on passe maintenant. Euh, donc l'épisporifère, je reviens, l'épisporifère, c'est quoi C'est un ensemble de feuilles qui portent l'esporange. C'est un ensemble de feuilles qui portent l'esporange qu'on appelle les sporophyles. Donc un épisporifère égale ensemble de sporophylles. Voilà. Ensemble de sporophylles. C'est quoi une sporophile C'est une feuille qui porte un sporange. C'est une feuille fertile qui porte un sporange. Voilà. Donc un épisporifère, c'est un ensemble de sporophylles. Et une sporophile, c'est... Une feuille qui porte un sporange. Et le sporange, c'est quoi la définition C'est là où se forment les spores. C'est un ensemble de spores. Alors on passe maintenant à la deuxième famille. C'est la ginelle lacée, avec deux ailes. C'est la ginelle lacée, pardon. C'est la ginelle vous avez deux genres, deux, pardon, deux, espèces et un seul genre. C'est la ginella denticulata. Donc si vous voulez mettre à systématique, qu'est-ce que vous allez mettre Vous allez mettre pteridophyte, comme embranchement. branchement clade des et ensuite vous allez mettre c'est la ginella c'est le genre c'est la ginella et l'espèce c'est la ginella denticulata donc nous allons détailler surtout cette espèce là c'est la ginella denticulata et nous allons la comparer à c'est la ginella balancée ce sont deux espèces qui se développent l'une pas loin de l'autre donc ils sont dans la région de l'Urica dans la région de Marrakech donc en TP normalement on les étudie donc, vous allez les observer au moins c'est la Ginella denticulata en TP, bon, au moins pour le, au niveau du fichier. Alors, on, pour décrire cette plante-là, on va essayer de, de, de voir théoriquement avant, avant de voir les, les schémas. C'est la Ginella denticulata. Voilà, depuis le bas, comme on a vu tout à l'heure, il y a une, une tige euh, rampante. Qu'est-ce que ça veut dire une tige rampante C'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure, une tige horizontale couverte de microphiles. Donc, on a toujours des microphiles parce qu'on est toujours chez l'hélicophyte. Donc, c'est clair, tige rampante. Alors, comment on pourrait savoir si la tige est rampante C'est tout simplement si vous la ramenez, cette, cette tige, par exemple, si on vous ramène cette plante, euh, bon, on peut dire en sol TP ou bien on vous la, la ramène du terrain, vous allez trouver que cette tige est le couverte de, de sol. D'accord il est couvert de sol, donc comme ça que vous allez savoir que c'est une tige rampante. Elle est toujours au niveau du sol. Alors les feuilles sont toujours des microphiles parce que nous sommes toujours chez les lycophytes et vous avez ces microphiles sont de deux types. Microphiles de deux types, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons une différence de taille. Vous avez des grandes microphiles sur la face ventrale et des petites microphiles sur la face dorsale. Donc c'est au niveau de la taille et les microphiles sont de type, on appelle ça un type hétérophile. Ça veut dire quoi hétérophile Ça veut dire feuilles de taille différente. C'est clair Donc vous avez ici euh, des microphiles de deux types, grandes microphiles ventrale et petite microphiles dorsale. Et vous avez à chaque fois deux rangées. On va voir ça tout à l'heure, deux rangées de grandes microphiles et deux rangées de petites microphiles. Les petites sont sur le dos. Groupe hétérophile. Alors l'appareil reproducteur c'est l'épisporifère, comme ce qu'on a vu chez Lycopodium. Donc, je répète, l'épisporifère, la définition, c'est quoi C'est un ensemble de sporophiles. C'est-à-dire sporophiles, ça veut dire feuilles qui portent les sporanges. Alors, ici, dans l'épisporifère, qu'est-ce qu'on a Nous avons aussi deux types de feuilles fertiles, donc deux types de sporophylles. Alors, les sporophiles qui portent les macrosporanges, on les appelle les macrosporophiles, vers le bas. Et des feuilles ou bien des sporophiles qui portent les microsporanges, ça s'appelle des microsporophylles vers le haut. Donc il y a hétérosporie, parce que nous avons deux types de spores il y a hétéroprotali, ils vont produire, donc chaque type de spore va produire un, un gamétophyte différent. Voilà donc concernant cette planche-là qui vous explique tout ce qu'on vient de voir. Alors vous avez ici le sporophyte au milieu, voilà. C'est la ginella denticulata, ici il s'agit bien de c'est denticulata. Ah, vous avez des tiges rampantes, ramifiées dichotomiquement. On voit très bien la ramification dichotomique. Voilà, ici, ici, ici. Donc, ça se voit très bien. ramifié dichotomiquement. Alors, il y a des rhizophores, de sorte de racines un petit peu euh, modifiées, qui sont tout au long de, qui permettent à la plante de fixer en plus de ses racines. Et donc, si on regarde de plus près, vous avez le schéma suivant. Si vous regardez de plus près sous la loupe. On observe quoi On observe qu'il y a des petites microfiles, voilà, deux rangées sur la face dorsale et des grandes microfiles sur la face ventrale. Quand vous observez les petites, ça veut dire que vous êtes bien sur la face dorsale. Si vous observez les grands, ça veut dire que vous êtes sur la face ventrale. Voilà, deux rangées. On le voit très bien ici. Et de l'autre côté, il y a deux rangées. Voilà donc concernant l'appareil végétatif. Je répète, concernant l'appareil végétatif, vous avez donc. Des rhizophores, qui sont bien visibles. Vous avez des tiges rampantes, ramifiées dichotomiquement, qui sont couvertes de microphiles. Et les microphiles sont de deux types Grandes microphile ventrale, deux rangées, et, et petites microphile dorsale, deux rangées, hétérophiles. Concernant l'appareil reproducteur, vous avez à l'extrémité des tiges rampantes, de ces tiges-là, on peut observer des sporanges. Alors ces sporanges, sont portés par des feuilles, donc ce sont des sporophiles. Donc l'ensemble des sporophiles constitue l'épisporifère. Voilà. Alors si on regarde l'épisporifère, à l'intérieur de l'épisporifère, qu'est-ce qu'on va trouver Nous allons trouver vers le bas, vous avez des feuilles, comme, des feuilles dentées un petit peu. C'est pour ça qu'on l'appelle denticulata. Les feuilles sont dentées. Voilà, on le voit ici, le bord denté, le bord qui est denté. pour ça En plus, c'est la forme d'une dent. C'est-à-dire les feuilles sont, sont une forme d'une dent. Alors, vous avez ici une feuille, une sporophylle, qui porte sur la face supérieure un sporange. Et dans le sporange, on peut voir euh, les grandes spores. Donc, ce sont des macrospores. Voilà la macrospore. On a quelques macrospores, pas beaucoup. Et donc, le sac qui renferme ces macrospores, ça s'appelle un macrosporange, il forme et il... il c'est-à-dire il porte, il forme, c'est-à-dire c'est lui qui forme. À l'intérieur du sporange se forment les spores. Donc vous avez un sac qui porte les spores, les macrospores, ça s'appelle un macrosporange, et la feuille qui abrite le macrosporange s'appelle macrosporophile. Alors de l'autre côté, ben, un peu plus haut, vers le haut, du haut de l'épi, vous avez des feuilles qui portent des sacs, des sporanges, à l'intérieur desquels vous avez des petites spores. Voilà, ils sont un petit peu comme si divisés. Des petites spores qu'on appelle des microspores. Ils sont très, très nombreuses. On peut voir même des, juste des points, comme des petits points. Alors que si on ouvre à l'intérieur, on voit beaucoup de, de microspores. Donc, la feuille, ça s'appelle une microsporophile. Le sac, c'est un microsporange. Et les, les, les petits spores sont des microspores. Voilà, donc vous avez ici macrosporophile, macrosporange, macrospore. Microsporophile, microsporange, microspor. Donc vous avez ici hétérosporie. hétérosporie. Alors, comment on va pour voir l'hétéroprotalie, On va suivre le cycle de développement. Donc je répète, vous n'êtes pas obligé de retenir le cycle de développement. Alors c'est juste pour expliquer vous avez ici la plante et vous avez ici la sporophile qui porte donc le microsporange donc c'est une microsporophile la sporophile pardon qui porte le macrosporange macrospore macrosporange donc c'est ce une macrosporophile quand il donc quand la petite spore sort du sporange et se développe et dans le protal mâle et quand la grande la macrospore sort et se développe et dans le protal femelle alors une, une indication le protal femelle ils se développent, c'est-à-dire se multiplient, etc., pour former les entérozoïdes. Ils sont biciliés bon, parce que ça demande de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de fécondation chez les pteridophytes. Alors, tout le protal se transforme en entérozoïde. Tout le protal. Il ne reste plus rien du protal. Alors, par contre, pour concernant la macrospore, c'est elle qui se développe. Et c'est elle qui constitue le protal femelle. Donc, il y a fécondation, jeune sporophyte et le sporophyte qu'on étudie. Donc, voilà le sporophyte qu'on étudie. C'est un sporophyte. 2 N chromosomes, ici, ici, il y a N chromosomes. C'est clair Donc, vous avez hétéro, ça, ça veut dire hétéroprotalie, voilà. Hétérosporie, hétéroprotalie, voilà. Hétéro, pardon, hétéro, voilà, 1 et 2, c'est hétérosporie. 3 et 4, hétéroprotalie, voilà. 1 et 2, hétérosporie, Microspore, macrospore. 3 et 4, ça veut dire hétéroprotalie. Alors voilà donc les photos qui vous montrent les, les, les feuilles chez' Célaginella la Ce sont des petites feuilles microphiles et voilà donc la face ici c'est la face supérieure la face dorsale au niveau de laquelle on voit les, les microphiles groupés pardon les, les groupés par deux voilà de rangées et les macro microphiles grandes microphiles pardon que je dis? les petites microphiles sont là et les grandes microphiles sont de l'autre côté. Donc, quand on voit les grandes, ça veut dire c'est la face ventrale. Et là, vous avez les résuïdes. Alors, ici, vous avez. Donc, la, la, nous avons terminé l'étude de. C'est la ginella denticulata. Voilà. On la voit très bien ici. Elle est très, très jolie. En plus, ici, regardez bien. Ici, il y a des, des tiges qui sont sèches. Alors, ce sont des, des tiges sèches. Alors, qu'est-ce qui. Euh, ils ont un caractère très important ces plantes-là qui, qui, voilà, qui ressemblent aux briovites. D'ailleurs, ils sont les briovites sont là. C'est-à-dire dès qu'on met un, un peu d'eau, ils il retrouvent la forme normale. Ce qu'on appelle le caractère de reviviscence, la reviviscence, c'est-à-dire dès qu'on met de l'eau, ils retrouvent la forme normale. Alors c'est la gynéla denticulata c'est ça. Donc les tiges sont rampantes et les microfilles sont de tailles différentes. Donc, on peut le voir ici. Les petites microphiles, si on s'approche, voilà, on les voit très bien ici. Les petites microphiles, les voilà. Et les grandes microphiles. Voilà, on voit très bien, c'est très très joli comme. Voilà, regardez bien, les petites microphiles. Observez, on les voit très très bien ici. Voilà. Il y a deux rangées de petites microphiles. Alors, vous avez ces laginelles-là balancées. Voilà, on voit les microphiles. Ils sont d'un seul, c'est-à-dire, ils se ressemblent toutes. Ils sont toutes semblables. Donc, ici, on appelle ça groupe hétérophylum chez Selaginella denticulata et là, on appelle groupe homéophylum, c'est-à-dire que toutes les feuilles se ressemblent et les tiges sont dressées. Elles ne sont pas rampantes comme chez Selaginella denticulata. Il se traîne, une autre chose, il se trouve sur deux versants différents. C'est-à-dire que ginella balancée se trouve sur un versant exposé au soleil et là, euh, denticulata sur un versant humide. Voilà une autre différence qu'on ne voit pas sur la photo. Voilà concernant Selaginella. On passe maintenant aux Isoetaceae, la famille des Isoetaceae, Isoetes le genre et l'espèce Isoetes velata. Donc pour la systématique, vous allez mettre ptéridophyte, Lycophyte, Isoetaceae, Isoetes, Isoetes velata. Alors voilà l'Isoetes, euh, le sporophyte, pardon. Le sporophyte, vous avez donc des racines adventives, beaucoup de racines. Bon pourquoi Tout simplement parce que c'est une plante qui vit dans l'eau et vous avez un rhizome. Court au milieu, on voit pas. Et vous avez des feuilles qui ont une forme un petit peu différente de toutes les feuilles qu'on qu qu a vues jusqu'à présent chez les conifères. Ce sont des microphiles toujours, mais ce sont la forme des feuilles est différente. C'est-à-dire ça veut dire euh, ils sont petites, mais une seule nervure, mais la forme elle est différente. Et sont effilées comme des filaments. Regardez. Alors ce qu'il faut rajouter, c'est ce qu'il faut bon, rajouter, ça veut dire euh, savoir surtout que ces plantes se trouvent dans l'eau. Donc sous microphile imaginez qu'il y a de l'eau. Donc, tout ça c'est caché. Et, dans le, et tout ça, au-dessus de Rhizome, qui dit Rhizome dit tige souterraine. Donc, en dessous, en dessous il y a le, ici, il y a la vase, le sol. Donc, l'eau d'ici à là. Et là, c'est l'air. Donc, c'est de l'extérieur que ce qu'on voit, on voit que des filaments. Donc, les personnes qui n'ont jamais vu cette plante-là, ils ne vont pas savoir ce que c'est. Alors, si on regarde de plus près cette plante, on va voir. Les feuilles, les, les microphiles Alors ces microphiles là, si on regarde vers l'intérieur des microphiles vers l'intérieur, c'est comme les feuilles de l'oignon. Si on arrache les feuilles, qu'est-ce qu'on observe On observe vers la base de ces feuilles qui sont élargies à la base. On observe un sac. Il est, c'est-à-dire il est, il est enveloppé. C'est-à-dire ce sac, il est enveloppé dans une membrane qu'on appelle le velum. Alors, cette légus' c'est la trace des feuilles, donc ça, il a une relation avec les fossiles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça. Le vélum, c'est une membrane transparente qui laisse passer la lumière. Donc, on voit à travers cette membrane qu'on appelle le vélum. Donc, le vélum, c'est une membrane hein, qui protège et qui porte les, sporens, les spores. Voilà. Protège tout le sporange et qui porte, bien sûr, les, les spores. Et hein, il est transparent, on peut voir à travers. Ah donc, si on, re, on arrive à observer des, des spores, ça veut dire qu'il s'agit du macrospore. Voilà, vous avez une macrospore avec une cicatrice comme ça, triradiée. Donc vous avez des macrospores ici. Donc le, la feuille est une macrosporophile, comme ce qu'on a vu chez la denticulata. La feuille est une macrosporophile, le sac c'est un macrosporange, voilà, et la macrospore. Donc vous avez une macrosporophile qui porte un macrosporange qui renferme beaucoup de, euh, bon, de spores, macrospores. Alors, de, de, si on, on continue à, à arracher, on va trouver d'autres feuilles aussi. Vers la base, on voit un sac, le vélo aussi, mais on n'arrive pas à voir grand-chose à l'intérieur. Si on ouvre, on voit des petites spores. Donc, la feuille, c'est une microsporophile. Le sac est un microsporange. Et le spore, c'est une microspore. Donc, vous avez, pour résumer, chez Isoetes velata, deux types de sporophiles. Vous avez macrosporophile qui porte un macrosporange qui renferme des macrospores et vous avez une microsporophile qui porte un micro, Chaque microsporophile porte un microsporange et qui renferme des microspores voilà donc nous avons ici hétéro hétérosporie microspore macrospore ça veut dire qu'il y a hétérosporie voilà alors nous allons vérifier s'il y a hétéroprotane. donc vous avez ici la plante ici et vous avez la base des, des sporophiles. Et là, vous avez une coupe qui montre. Voilà, là, nous avons coupé ici. C'est ça la trace de la ligule. C'est ça ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, vous avez ici la coupe du sporange. Alors ici, on voit des petits points. Et là, on voit des rangs. Donc, quand on voit des rangs comme, comme, comme ça, ça veut dire que c'est une spore de grand détail. Donc ça, c'est une macro spore. Et des, petites, des petits... Ici, on les voit sous forme de, de points. Alors, ce sont des... Microspore, donc microspore, macrospore. Donc ça, c'est hétérosporie. La microspore se développe et dans le protal mâle et la macrospore se développe et dans le protal femelle. Donc ça veut dire qu'il y a hétéroprotale. Vous avez fécondation, zygote et la jeune plantule, ensuite le sporophyte adulte. Donc il y a hétérosporie et hétéroprotale. C'est clair Voilà ce qu'il faut retenir. Donc je rappelle, pour le cycle de développement, c'est juste ça ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas la peine de retenir le schéma et tout ça. Alors voilà, donc, un récapitulatif. Vous avez Isoetes velata, c'est ça. Donc, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'une plante de très petite taille. La majorité des pteridophytes de sont petites. Essentiellement, les lycophytes sont de petite taille. Vous avez ici, donc, les filaments, c'est-à-dire ça, ce qu'on voit de l'extérieur. Sinon, toute la partie blanchâtre était dans l'eau. Et là, tout ce qui est brun ici était dans le sol. Donc, ça, c'est dans l'eau, et ça, c'est dans le sol. C'est clair Donc, vous avez la tige souterraine ici. Donc, tout ce qui est vert là, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Et vous avez ici les racines. Donc, euh, Isoetes velata, les feuilles sont des microphiles avec deux, deux types de, de sporophiles. Macrosporophiles, quand on voit quelque chose à travers, ce sont des macrosporophiles. Quand on voit presque rien du tout, c'est une microsporophile. Voilà donc le schéma qui résume tout. Alors, voilà ici donc. Euh, je donc, ce diap diapositive résume tout, tout ce qu'on a vu chez le lycophyte. C'est la ginella denticulata, c'est la ginella balancée, isoetes velata. Voilà ce qu'on a vu. Donc, lycopodium, on l'a vu plus de, avant. Voilà, isoetes, c'est très petit. On peut la mettre sur la main, c'est très très petit. C'est comme ça, on un petit peu euh, à l'ail, un petit peu à Regardez, c'est très petit. Beaucoup de racines. Mais c'est-à-dire, si on observe sous la loupe, c'est très très bien. On arrive à observer donc la face inférieure ici, c'est la face dorsale, si vous voulez, la face interne. Sur la face interne, on va parce que c'est caché, cryptogame. Ça veut dire que les organes, les organes de reproduction sont cachés, il faut les chercher. Ça, cryptogame. Alors, on passe maintenant à notre clade. C'est le deuxième clade, ce sont les sphénophytes. On les appelle en français commun les prêles. Il y a une seule famille, les équicétacés, un seul genre y et environ 35 espèces. Ce sont des plantes terrestres. Bon, ça existe dans la région de Marrakech, un mètre maximum de hauteur. C'est une tige articulée à rameaux verticiles. Vous avez ici la ramification verticile. Chez l'hycophyte, nous avons observé une ramification dichotomique. Ici, c'est verticile. Et la tige, elle est articulée. Ça veut dire quoi Articulée, ça veut dire présente des nœuds et des nœuds On va voir ça sous forme de schéma. Les sporanges, ça c'est l'appareil producteur. Donc quand on vous demande de décrire une plante, il faut savoir qu'est-ce qu'on vous demande. Est-ce que c'est l'appareil végétatif ou l'appareil producteur Retenez bien ça. Si on vous demande de décrire l'appareil végétatif, c'est racine, tige, feuille. Si on vous demande de décrire l'appareil producteur, ici, donc chez le ptérydophyte, bien sûr qu'il y a le terme de sporange, spores, etc. Alors, vous avez des sporanges qui sont portés par des organes. Donc, organes qui portent le sporange, ça s'appelle sporangiophore. Fort en latin, ça veut dire porter. Donc, organes qui portent les sporanges. L'ensemble des sporangiophores forment l'épisporifère ou strobile. Donc, épisporifère. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure chez, chez les l'épisporifère. Il y a isosporie, mais hétéroprotale. Voilà, pour la première fois, vous, avez, vous allez voir cette règle-là. Bon, la règle n'est pas générale. Donc, c'est une exception. Isosporie, mais hétéroprotale. On va voir donc les détails. Alors, équicétacé, donc ce que vous allez mettre ici, c'est pteridophyte, sphénophyte, équicétacé, équicétome et l'espèce, l'équicétome ramosissimum. Donc, au niveau de la question que j'ai posée pendant le premier cours... Comment s'écrit l'espèce Il faut d'abord mettre qu'il s'écrit en forme de deux noms. Il faut mettre deux noms l'espèce. Le genre un seul mot et là deux mots, d'accord Equisetum ramosissimum, c'est ça l'espèce, deux mots. Equisetum, première lettre majuscule. Voilà, première lettre majuscule, tout le reste minuscule en souligne Alors, vous avez ici la tige. La tige, c'est un fragment de tige. Pas toute la tige, elle est coupée ici. D'ailleurs, il est vide au milieu. C'est un champ, on appelle ça. C'est-à-dire, est, est, les creux. La tige est creuse, sauf au niveau des nœuds. Il creux à l'intérieur ici. Alors, vous avez donc des tiges striées On voit les stries ici. articulées, ça veut dire quoi Qu'il présente des nœuds et des entre-nœuds. Là, il y a un nœud et là, vous avez un entron et là, vous avez un entron. On va voir ça au niveau de tige, cette tige là. Et alors, au niveau des nœuds, qu'est-ce que vous avez Vous avez les rameaux qui sont verticillés. Là, ils sont coupés. Donc, ils font tout, tout, tout le tour des, du nœud, au niveau du nœud. Et les feuilles, ce sont des microfils toujours, soudés en collerette. Ça veut dire quoi en collerette Ça veut dire toutes les feuilles, ce sont des petites feuilles, voilà, regardez, c'est ça les feuilles. Et toutes les feuilles sont soudées entre elles, tout autour de la tige. On, a, on appelle ça une collerette, c'est-à-dire comme un col, le col. Donc, euh, quand on a froid, on met un col, un col autour de, de comme le. Je veux dire, vous avez la, le, le col, notre col. On peut mettre un pull à colle, etc. Alors, vous avez ici un col, une collerette, ça fait tout le tour. Et ce sont des, des, des microphytes qui sont de couleur brunâtre, ils ne sont pas chlorophylliennes. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est ça tige striée, articulée. Tige striée, articulée. Euh, je vous conseille de, mettre des, des, de préparer des fiches. Et pour, pour les fiches, vous allez mettre pour chaque clade, par exemple, concernant le ptéridophyte, vous allez commencer par la cl le clade des ptéridophytes. Et vous allez mettre toutes les espèces qu'on a décrites jusqu'à présent. Alors, je vous rappelle, l'écofite, nous avons vu l'éco-podium. Vous allez mettre les caractères de l'appareil végétatif et l'appareil producteur. Préparez des fiches comme ça. Pour chaque fiche, vous allez mettre la systématique d'abord pteridophyte, le clade, la famille, le genre et l'espèce. Donc, si vous mettez les caractères de l'appareil végétatif, par exemple ici, vous allez mettre tige striée, articulée, microfile soudée, en collerette. Voilà pour l'appareil végétatif. D'accord Vous allez faire la même chose pour les autres euh, plantes. Alors, concernant l'appareil végétatif toujours, vous avez ici rameau verticile articulé. Rameau verticile, ça veut dire que plusieurs rameaux partent du même point. C'est ça ce que ça veut dire, verticille Ils partent au niveau des nœuds. Voilà. Et lentre -nœud, c'est entre les nœuds. Un nœud, un nœud, un nœud. Entre-nœud, entre-nœud, entre-nœud. Entre voilà, un nœud. On peut compter le nombre de nœuds. Ici, on ne voit pas le nœud, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. 12 nœuds. Et entre les, les, les nœuds, vous avez les entre-nœuds. Vous pouvez vous amuser à compter le nombre. Donc, le rameau sans articulés. Articulés, on ne le voit pas ici bien. Articulé, ça veut dire eux aussi sont articulés. On ne le voit pas sur la, ce, ce dessin. Et les nœuds sont là et les entre-nœuds sont entre les nœuds. Alors, ça, c'est concernant l'appareil au producteur. Concernant l'appareil au producteur, donc, vous avez ici l'extrémité de certains rameaux qu'on a vu tout à l'heure qui sont verticillés. Vous avez certains rameaux, voilà l'axe, c'est ça, c'est le rameau. Il se termine par une sorte de cône, comme un cône, voilà, conique, forme enfin, conique. Et qu'est-ce qu'il y a ici C'est quoi ces éléments-là Chaque élément, c'est ça, c'est ce qu'on voit ici. Chaque élément, ça ressemble un petit peu à un parapluie. Alors, qu'est-ce qu'il porte ce parapluie Il y a un axe, ce qu'on appelle le pédicel, par lequel il est fixé au rameau. Donc, imaginez. Que ce rameau se prolonge ici à l'intérieur. On ne le voit pas, mais il se prolonge. Alors, à ce rameau sont fixés plusieurs éléments comme ça, avec un pédicelle. Chaque pédicelle est fixé. Voilà, vous pouvez compter, je ne sais pas, c'est vraiment difficile à compter même. Voilà, c'est une multitude, un, je ne sais pas combien, milliers de, de, de sporangiophores. Pourquoi on les appelle les sporangiophores Parce qu'ils portent les sporanges sur la face inférieure, à l'intérieur, voilà, à l'intérieur. On peut compter le nombre de sporanges ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne sais pas s'il y a un qui est derrière, au moins 10. Donc ces sporanges, il y en a des sporanges qui sont euh, déjà sont fermés, il y en a d'autres qui, qui, qui commencent à s'ouvrir. Vous voyez les spores qui vont, qui vont sortir. Ah, donc, donc ces sporanges, regardez, l'épisporifère, le, 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 et est les plus large au milieu que vers l'extrémité. C'est cette forme conique. Donc, c'est un épisporifère, voilà. Donc, l'épisporifère. Alors, l'écusson, c'est quoi C'est la partie visible de l'extérieur de chaque sporangiophore. Voilà. Donc, l'appareil reproducteur de, de l'écussétome, Ramosissimum, est un épisporifère ou strobile. Et c'est quoi l'épisporifère Ici, chez l'écussétome, c'est un ensemble de sporangiophores Il n'y a pas de feuilles ici. D'accord Il n'y a pas de feuilles. Voilà la différence par rapport au, la, à ces laginelles-là. Ou bien lycopodium Vous voyez Donc, ici, vous avez la, la planche qui résume tout. Donc, vous avez ici le, le, le sporophyte avec la, la tige. C'est ça Ça, c'est une tige. Tout ça, c'est la tige. Donc, vous avez tige articulée avec nœud et entre noeuds. Au niveau des noeuds, vous avez les feuilles. On les a détaillées ici microphyte soudés en colorette. Et vous avez les rameaux qui sont verticillés autour des noeuds. Et l'épisporifère, qui est un ensemble de sporangiophores, se trouve à l'extrémité des rameaux qui sont fertiles. D'accord Donc, un épisporifère ici, ça s'appelle, euh, un épisporifère ici, ça s'appelle strobile aussi, et c'est un ensemble de sporangiophores. Alors, concernant, donc, les, voilà, donc on ré ré récapitule au niveau du cycle de développement. Vous avez ici rameaux. Si vous voulez, rameau porte les rameaux qui ne portent pas l'épisporifère, et là, le rameau qui porte l'épisporifère. Alors, vous avez, donc, qui dit épisporifère dit euh, ensemble de sporangiophores. Voilà, les sporangiophores, comme des parapluies, comme des petits parapluies. Vous pouvez imaginer ça, une multitude de parapluies, où vous pouvez fixer un axe au milieu, ça vous donne ça. Alors, les sporangiophores, comme leur nom l'indique, sont un ensemble de sporanges qui vont s'ouvrir et, et qui vont libérer les spores. Alors, les spores, quand ils sortent, ils sont comme ça. Ils sont enveloppés par des élatères, des petites quatre membranes, voilà, des expansions. Alors, ces élatères peuvent être déroulés comme ça ou peuvent être enroulés, selon les conditions euh, du climat. S'il y a du vent, ils vont être emportés plus loin. Alors, apparemment, ils se ressemblent, mais si vous faites attention, vous allez voir qu'ils produisent, qu'ils donnent deux gamétophytes différents un gamétophyte mâle et un gamétophyte femelle. Donc, il y a E-isosporie, ce type de spore, mais il y a hétéroprotale. Isosporie, hétéroprotale. Donc, c'est un cas un petit peu particulier chez Equicetum. La tige, donc ici, rappelle les photos, pour voir très, très bien l'appareil végétatif. Regardez, c'est très, très beau. C'est très vert, c'est très joli. Vous avez ici les, les, la collerette des microphiles, ici, on le voit au niveau des nœuds. On le voit ici aussi, la collerette. Regardez la collerette de microphiles les feuilles brunâtres. On y voit très bien l vous avez Avec les sporangiophores on les voit ici, couleur marron. On peut le compter ici, les sporangiophores Regardez là, la collerette de, de microphile. Là, ce sont des espèces différentes. Alors, vous avez ici la collerette de microphile qui fait le tour de des tiges ou bien des rameaux. Alors, ici, vous avez l'épice les, les, porifère avec. Les feuilles, bon, les piques, pardon, avec les sporanges géophores ici, et les sporanges. On voit très bien, c'est ouvert. On, on peut voir, donc, puisque c'est ouvert, on voit à travers l'axe de l'épi qui est au milieu. Voilà. Et les sporanges géophores qui sont fixés à l'axe de l'épi. Donc, les sporanges sont de couleur blanche. Donc, c'est-à-dire, tout est ouvert là, parce qu'il y a un décalage entre les sporanges. Voilà. Alors, on passe maintenant euh, au filicophytes. Donc nous avons vu jusqu'à présent les lycophytes, les esphénomphites. Il nous reste le troisième clade, qui est le clade des ou Ce sont des fougères au sens strict. C'est-à-dire c'est ça les fougères. Parce que parfois on appelle les fougères les des fougères, mais c'est les fougères au sens large. Il n'y a pas que les fougères. Il y a les lycophytes et les esphénomphites. Alors les filicophytes, c'est-à-dire sont, ce sont, sont les familles les plus diversifiées. Vous avez jusqu'à entre 30 et 50 familles, 300 genres environ. et des 10 000 à 11 000 espèces. Alors, vous avez plusieurs familles. On va retenir quelques familles. Euh, les osmondacées, les polypodiacées, les dixoniacées, les glycaniacées, les sciathéacées, les ophioglossacées, les marsiliacées et les salviniacées. Voilà. Donc, alors, ce sont des plantes terrestres. C'est-à-dire que la majorité sont terrestres et peuvent être épiphytes et aussi elles peuvent être aquatiques. Alors, quelles sont les, les familles qui sont aquatiques Les familles aquatiques sont les dernières familles, Marciliaceae et Salviniaceae. Voilà, donc marsiliacées et Salviniaceae sont des plantes aquatiques. Alors, ce sont des plantes qui possèdent des rhizomes. Alors, c'est quoi comme type biologique J'attends votre réponse après. Vous pouvez mettre la réponse au forum. Alors, euh, les feuilles. Donc, nous avons rhizomes et feuilles. Parfois, on n'a pas la tige comme chez les, les lycophytes, etc. Euh, surtout sur les, les vrais phyllicophytes, les vrais fougères, on va voir. Et les feuilles sont des frondes ou macrophiles, ou mégaphiles. Les sporanges sont situés à la face inférieure des frondes. Ce sont donc des sporophiles. C'est-à-dire les frondes sont des sporophiles, parce qu'ils portent les sporanges. Ils sont regroupés ou non en sort, ils sont recouverts ou non par l'indusie et on peut trouver isosporie ou hétérosporie. Alors les sporanges, donc je reviens, essayez de retenir ça s'il vous plaît de pouvez l'écrire. Les sporanges peuvent être isolés, voilà. Ou peuvent être regroupés en sorts. Les sorts peuvent être nus n u s ou couverts par une induisie. L'indusie, c'est quoi C'est une membrane qui provient de la face inférieure de la feuille, l'épiderme inférieur de la feuille, sur la face inférieure. Ce sont des membranes supplémentaires. Alors, parfois, les sorts ou les sporanges sont groupés, cest dire couverts uniquement par le bord supérieur de la fronde, par le bord juste un repli. On appelle ça une fosse indusie. Et quand l'indusie existe, il peut être l'indusie d'un seul côté, qu'on appelle unilatéral, des deux côtés, qu'on appelle bilatéral, ou l'indusie pelletée, c'est-à-dire qu'elle protège le sort du milieu, au sort du, sang, du, du, milieu de, du, du sort. On va voir des exemples pour comprendre ça. Voilà, et on peut avoir isosporie ou hétérosporie. Alors, on va voir les fougères e E ça veut dire vrai sporange. Qu'est-ce que ça veut dire un vrai sporange Ça veut dire un sporange qui a une paroi épaisse et un pédoncule épais. Voilà, il faut gérer e c'est-à-dire le sporange et la paroi épaisse et un pédoncule épais. Vous avez deux familles, les ophioglossacées et les maracyacées. Les ophioglossacées sont représentés par ophioglossum vulgatum et Botrichium lunaria et maracyacées sont représentés par angiopteris. Alors concernant les ophioglossacées, vous avez Botrychium linaria, c'est quoi Ce sont des plantes qui sont présentes qui sont formées par bancs il y a des racines vers le bas, mais il y a une seule fronde. Chaque année, la plante produit une seule fronde. La fronde est découpée en deux parties, la partie stérile si vous voulez, formée par le limbe, et la partie fertile formée par les sporanges. Alors le limbe, il est découpé chez Botrychium et les, spores, les sporanges pardon, les sporanges sont situés sur des axes et les axes vers le bas sont plus longs que les axes vers le haut, on appelle ça un panicule. Donc vous avez la fronde découpée en pinnules et l'appareil la, producteur est un panicule. Chez Ophioglossum vulgatum, vous avez la même chose, racine et rhizome. Vous avez une seule fronde, sauf qu'ici le limbe est entier et vous avez les sporanges. Ne sont pas pédonculés, sont insérés directement sur l'axe, voilà, c'est la nervure, voilà, sur la, cet axe-là, prolongement de la nervure, et donc vous avez ici un épisporifère, voilà, l'épisporifère, parce qu'il n'y a pas de pédoncule au sporanges. Donc vous avez ici un résumé des deux, limbe entier plus épisporifère, limbe découpée plus panicule, voilà. Vous avez ici deux rangées de sporanges, on les a vus tout à l'heure, deux rangées de sporanges. Voilà, on les voit, deux rangées de sporanges au niveau de l'épice porifère. Alors, pour l'angiopteris, ça ressemble un petit peu au palmier. Vous avez un tronc vers le bas et vous avez des, des feuilles très, très découpées et à long pétiole. Alors, ce qu'il faut retenir ici, donc ce sont des fougères tropicales de grande dimension. Vous avez ici le, le monsieur qui vous donne la taille, c'est très, très grand. Ça ressemble un petit peu à un palmier, donc c'est presque des forêts. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que les sporanges sont soudés en sinange, le genre angiopteris. Sinange, voilà, on le voit ici, ça veut dire que les, les sporanges sont soudés entre eux. Voilà. Sur le bord. sur le bord. Alors pour vous aider, vous aider ici, il n'y a pas d'indusie, il a rien. Les sporanges sont nus et sont soudés entre eux. On n'arrive pas à distinguer un sporange de l'autre. Tout, tout est soudé. Là, ils sont déjà ouverts. Alors, on va passer maintenant au filucophyte euh, chez des fougères leptosporangiées. Qu'est-ce que ça veut dire leptosporangie Tout le reste, ce sont des, ça, ça va être des, des fougères leptosporangiées. Qu'est-ce que ça veut dire leptosporangie? Ça veut dire que les sporanges ont une paroi, euh, une selle assise de cellules, ça veut dire très mince, et un pédicelle ou pédoncule très lent. Ça veut dire quoi tout ça Ça veut dire que les sporanges, euh, je vais poser la question. Alors, si vous avez un sporange, e-sporanger, qu'on a vu tout à l'heure, e-sporanger, le type e-sporanger, voilà ça, ça veut dire, j'ai dit tout à l'heure, que les sporanges sont à paroi épaisse, avec plusieurs assises de cellules, et à pédoncule épais. D'accord Et ici, vous avez des sporanges à paroi mince, une seule assise de cellules, et à pédoncule c'est-à-dire très long. Pas épais, les minces. Ça veut dire qu'il faut imaginer les les spores, ils vont sortir plus facilement de type leptosporangie ou bien du type e Donc Je vous laisse répondre à cette question. Alors, on va voir les fougères terrestres. Beaucoup de fougères sont terrestres. On va voir quelques fougères aquatiques à la fin du cours sur le Alors, on va commencer par une, une famille qui, qui existe au Maroc, très jolie, dans le RIF, Osmundaceae. Le genre Osmunda. Osmanda regalis, c'est l'espèce. L'osmonde royale. Quand on appelle quelque... une plante royale, ça veut dire qu'elle est très, très jolie. Alors, donc fougère, filicophyte, qu'est-ce que vous allez mettre pour la systématique Vous allez mettre, bien sûr, ptéridophyte, filicophyte, fougère leptosporangée, Osmundaceae, osmonda, osmanda regalis. C'est une plante qui existe dans les rifs. La fronde est, découpée, est, est représentée par deux parties. La partie basale, découpée en pinnules, La partie supérieure, sans pinnules. Mais il y a au, la, au niveau de laquelle il y a des sporanges, comme ce qu'on vient de voir. Voilà. Comme ce qu'on vient de voir chez Ophioglossum et Botrychium, Ça veut dire les ophioglossacées. D'accord Donc, il y a deux parties au niveau de la fronde. Partie stérile et partie fertile. Voilà. Vous avez un, un, un fragment de, de la fronde, une, une grande fronde. Vous avez ici le rachis, qu'on appelle bon, l'équivalent du pétiole chez les, les autres feuilles. Vous avez les pénules. Regardez les pénules. Le limbe découpé en pinules, voilà. Vers le bas, on a le limbe découpé en pinules. Plus on monte vers le haut, plus vous avez disparition du limbe. Et à la place, qu'est-ce qu'on a Vous avez toujours les nervures, la nervure principale des pinules. Et sur la nervure principale des pinules, qu'est-ce que vous retrouvez Vous avez les sporanges. Alors sporanges, regardez comment ils sont disposés. Les axes vers le bas sont plus longs que les axes vers le haut. Ça s'appelle un panicule. Donc l'appareil producteur de ce monde égale panicule. Panicule de sporanges. Les sporanges n'en présentent pas d'indusie, on les voit très bien ici. Ce sont des sporanges nus, n -U -S. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour cette plante-là. Je, je vais faire marche arrière. Voilà. Euh, fronde découpée avec deux parties. Partie basale à limbe, rajoutez s'il vous plaît, partie basale à limbe découpée en pinules. Partie supérieure sans pinules à sporanges nus. Ça veut dire, dire qu'est-ce que ça veut dire fertile Ça veut dire porte les sporanges. Et les sporanges sont nus, il n'y a pas d'indusie. Voilà. Panicule à sporanges nus. Panicule à sporanges nus, c'est ça l'appareil reproducteur de ce mandat Regalis. Voilà les photos, une belle, euh, belle pteridophyte, une belle fougère. Le là, c'est la partie euh, stérile, si vous voulez, et là, c'est la partie férile, fertile. Regardez, les sporanges sont déjà ouverts. C'est très, très joli. Donc, les axes vers le bas sont plus longs que les axes vers le haut. Donc, vous avez ici des sporanges euh, isolés, non groupés en sort et disposé en panicule. Donc, est ce qu'il faut rajouter, sporanges nus, non groupés en sort, disposés en panicule. Voilà, concernant... Euh, voilà, j'ai terminé.